Sans surprise, Natasha Ngoï remporte la première édition du circuit des meetings élites d'athlétisme du Congo. La jeune athlète double médaillée d'or des derniers Jeux de la Francophonie a encore fait parler d'elle ce week-end à Brazzaville. Elle remporte le Globe d'or avec 220 points après avoir gagné les 4 meetings devant Gwari Mwesi, meilleur athlète 5000 mètres du pays, qui occupe la deuxième place du podium avec 166 points, tandis que Maruma, coureur du 400 mètres, vient en troisième position avec 150 points. Les 10 meilleurs athlètes de la compétition ont également été récompensés au cours de la cérémonie. Une belle expérience pour ces jeunes athlètes. Je suis très content déjà pour l'invitation. Je remercie tout le comité et l'organisation. Ce que je dirais, j'espère bien que ça va continuer. Il y aura une deuxième édition l'année prochaine. Mon ambition est que je voulais aller très loin, dépasser même Bekele, le Kenya. Ça, c'est mon rêve. Le Globe d'or est une initiative de la Ligue départementale d'athlétisme de Brazzaville, très appréciée par les acteurs sportifs du pays. C'est une excellente initiative. Il nous faut, au niveau du pays, plusieurs initiatives de ce genre pour permettre à la Fédération d'athlétisme de préparer ses athlètes et de pouvoir participer à des compétitions internationales. Il faudrait que nous ayons effectivement des athlètes de haut niveau. La compétition s'achève donc avec une grande satisfaction des organisateurs. Premier coup d'essai, je dirais oui. Le bilan est satisfaisant parce que le nombre de participants que nous attendons, nous les avons largement dépassés. Donc je vais dire merci aux athlètes congolais, au public congolais et à tous ces jeunes-là qui sont venus compétir sans pourtant y croire au départ. Rendez-vous a été pris à la deuxième édition avec encore plus d'innovation. Signalons qu'avant le début des épreuves, une grande marche sportive a été dirigée par le comité d'organisation dans les artères de Brazzaville.